La convention sur la louange et sur l'adoration est comme le thème retenu pour cette convention, c'est donc devant le trône. Mais devant le trône de qui? Pourquoi se présenter devant ce trône? Qui est assis sur ce trône? Il y a tellement de questions. Ils sont mieux placés pour nous répondre. Je commence avec qui? Avec Papa Djoudjou, avec l'ancien. L'invité, lui, va nous dire pourquoi il a accepté de prendre part à cette convention. Alors, ancien Moïse, devant le trône, qui est assis sur ce trône? C'est devant le trône de qui? Oui, maman, Amadokas, comme vous l'entendez, devant le trône. Ce n'est pas le trône des noms. OK. C'est le trône des dieux. Si vous le permettez, nous pouvons lire un passage biblique. Allez-y. Voilà. Je voudrais qu'on lise... Apocalypse, chapitre 7, nous sommes au verset 10, verset 11 et 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant les trônes, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Par rapport à ces passages, nous comprenons que sur ces trônes, il y a Dieu. Donc, nous avons décidé pour cette édition de Ravi 2021 de nous approcher devant les trônes des dieux pour ne faire qu'une chose, l'adorer et les louer. Personne ne viendra demander le mariage. Personne ne viendra demander du travail. Personne ne viendra demander de l'argent. Oh. Nous venons seulement pendant 4 jours pour adorer et louer Dieu. Sans demander. Sans demander quoi que ce soit. Ah, vous allez priver aux enfants de ne pas demander à leur père. Les enfants viennent adorer leur père. Parce que leur père est ce qu'il est. Ok. Étant ce qu'il est, ses enfants ont l'obligation, cette édition, de l'adorer et le louer. De l'adorer et de le louer. Nous sommes devenus tellement mendiants dans le Seigneur que l'ancien nous dit, pendant cette convention, on ne va rien demander. Mais je sais qu'en louant et en adorant, il y a des choses que Dieu lui-même va nous donner sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. N'est-ce pas, Papa Djoudjou? Exactement, Maman Dorcas, comme l'a dit l'ancien Moïse, nous viendrons pour adorer le Seigneur. Maman Dorcas, je vais rapidement vous dire que le 24 veillard qui ne cesse d'adorer le Seigneur nuit et jour, la Bible dit qu'ils déposent leur couronne devant le trône. Mais il n'y a pas une usine de fabrication de couronne à côté. Vous devez vous poser la question d'où ils tirent les couronnes qu'ils déposent chaque jour. Donc nous avons intérêt à venir adorer le Seigneur parce que c'est de là qu'il va même nous donner, au-delà même de ce que nous imaginons et pensons. Okay. Donc Ravi 2021, c'est pour adorer le Seigneur. Le temps que nous allons prendre dans Ravi 2021 sera pour adorer le Seigneur, rappeler au Seigneur combien nous l'aimons, combien il est bon pour nous. Nous ne venons pas chez lui seulement pour quémander ou pour avoir des choses matérielles, mais pour aussi pour l'adorer, l'exprimer ou manifester l'expression de notre amour envers notre Dieu. Voilà la particularité de Ravi 2021. Waouh! Wow. Et lorsque vous dites louer, tout simplement louer et adorer, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que jusqu'aujourd'hui, à l'Église Corps du Christ, il y a encore des confusions entre louange, adoration. Déjà, les Quinois, nous, on sait qu'on dit maintenant nous allons louer Dieu. Donc, ça veut dire on va s'élever, chanter des cantiques qui nous font transpirer, hein, les Ngwasuma, comme on dit. Est-ce qu'il faut adorer en ce moment-là? Maintenant, on chante tout doucement. Je pense que la différence ne se situe pas à ce niveau-là. La différence se situe au niveau du contenu, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu pour présenter la grande activité. D'ailleurs, raison pour laquelle vous allez remarquer avec moi, tout à l'heure on va en parler, que nos orateurs ne sont que des gens que le Seigneur a élevés dans notre pays dans l'adoration. Okay. Donc vous allez tout à l'heure les découvrir. C'est des gens qui vont nous faire comprendre même la raison d'être de ces temps que nous allons passer, ça ne sera pas ça dit que c'est nous allons rappeler à Dieu qui il est pour nous. On aura le temps de présenter au Seigneur qu'est-ce que nous ressentons pour lui.
Donc ce n'est pas un peu le kinzouzou que nous allons faire là-bas. Nous allons adorer le Seigneur avec notre cœur. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure nous allons parler des orateurs, vous allez comprendre. Et nous avons même souhaité que le pasteur Joël soit là pour que tous les styles au moins de notre pays soient représentés dans cette grande manifestation que nous sommes en train de préparer. Merci beaucoup de parler déjà du pasteur Joël Kaboué. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, il nous vient fraîchement de Lubumbashi et il est parmi les orateurs. Nous saluons également en passant le pasteur Alain Kitenge, le pasteur responsable de l'église Torrent de Vie, qui est donc une extension de l'église La Borne. Alors, pasteur Joël, votre raison d'être dans cette convention? Okay. Merci beaucoup pour la question. Au fait, partout où il y a les intérêts de Dieu, partout où on élève Dieu, ce sont des endroits qui nous attirent personnellement. En fait, moi, j'aime quand les gens oublient leurs problèmes et se mettent en tête qu'il y a un Dieu qui règne, même si on est dans des difficultés. Okay. En fait, il y a une erreur ici chez nous, personnellement, c'est que les gens pensent que Dieu est Dieu seulement quand il agit. Les gens pensent que Dieu est Dieu seulement quand il résout les problèmes. Oui, quand il nous donne. Oui, en fait. Et quand vous regardez par rapport au thème, vous allez vous rendre compte que personne n'a mis Dieu sur son trône. Il est Dieu par lui-même. Alors, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, en tout cas, si c'est un très bon thème, que je dois nécessairement être là. Mm-hmm. Oui, c'est un peu ça par rapport à ce qui m'a amené. Pourquoi devrions-nous l'adorer? Pourquoi? Nous devons adorer le Seigneur. Il faut d'abord commencer par expliquer le mot adoration. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'adoration, ce sont des cantiques là, et la louange, ce sont des chouchous, comme vous l'avez dit. Au fait, l'adoration n'est pas chantée, l'adoration n'est pas un moment du culte, mais l'adoration est une vie où on dépose tout ce que nous sommes devant tout ce que Dieu est. Ok. Oui, c'est-à-dire une vie complètement abandonnée au pied du maître, si je peux le dire comme ça. Et vous allez vous rendre compte que c'est même ça la substance de l'adoration. Chanter, c'est une façon d'adorer Dieu, tout comme offrir de l'argent est une façon d'adorer Dieu, tout comme se souvenir des pauvres et tous ceux qui sont dans les besoins, c'est une façon d'adorer Dieu. En fait, chanter n'a rien à voir avec l'adoration. C'est juste une façon par laquelle on peut adorer Dieu. Mais l'adoration, c'est toute une vie d'une personne qui dépose tout ce qu'il a devant tout ce que Dieu est. Devant tout ce que Dieu est, devant ce qu'il est par rapport à moi, cela dépend d'une personne à une autre. Non, au fait, vous voyez, donc, dans mon introduction, j'ai dit, Dieu est Dieu, même si nous sommes dans des problèmes. Mm-hmm. C'est-à-dire, il est le Dieu qui guérit, même si moi, je suis malade. Il est le Dieu qui sauve. Mais si je n'ai jamais été malade? Bon, sûrement, il y a quand même un problème dans votre vie. Malgré les problèmes qui sont dans nos vies, Dieu reste Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il intervient dans nos vies qu'il devient Dieu. Il est Dieu, même si nous sommes dans des problèmes. Même lorsque nous pleurons, il est Dieu. Amen. Lorsque nous sommes dans la joie, il est Dieu. Lorsqu'il y a des inquiétudes, lui, il reste Dieu. Amen. Parce que personne ne l'a voté ou ne l'a installé finalement sur ce trône, comme l'ancien Moïse nous l'avait dit. Ben, c'est Dieu qui est assis sur son trône. Papa Djoudjou, vous avez parlé de 24 vieillards. Avant même, je sais, on aura le temps de parler des autres orateurs. De sa ravie 2021 se déroulera où, ça sera de quel jour à quel jour, de quelle heure à quelle heure. On aura le temps d'en parler, nous avons beaucoup de minutes encore par rapport à ça. Mais j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer certaines choses pour pousser également finalement les fils et les filles de Dieu à venir se prosterner aussi ce jour-là devant le trône. Est-ce l'adoration, avec l'exemple de 24 vieillards, qui ne cesse de répéter la même chose, saint, saint, saint. Le matin, il est saint. À midi, il est saint. Le soir, il est saint. Et quand je regarde notre façon d'adorer, nous, on aime bien changer un peu notre français, changer de mots. Si hier, j'avais dit tu es père, aujourd'hui, je peux dire tu es saint, et demain, je dis tu es mon tout. Est-ce qu'il faut changer ou on peut dire la même chose autant de fois, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines? En fait, c'est là la différence, Maman Dorcas. Le problème, c'est que nous sommes en train de parler de l'expression du cœur. Mm. Vous savez, quand il s'agit de l'expression du cœur, on ne peut pas les définir avant.
quand il s'agit de l'expression du cœur, c'est l'amour qui part. Mm. C'est notre amour pour Dieu qui va s'exprimer pendant ces temps. Il n'est pas question d'avoir comme sur un canevas ce que nous sommes censés dire à Dieu. Mm. Vous-même, vous comprenez de quoi je parle. Quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de l'expression du cœur, là, ça vient du fond de nous-mêmes. Okay. Vous savez, là, Maman Dorcas, il n'est pas question de se dire « Aujourd'hui, je vais essayer de réfléchir mathématiquement pour aller lui raconter ça ou telle ou telle autre chose aujourd'hui. Mm. » Non, il est question d'être vrai. Si vous êtes vrai, ce que vous allez lui dire viendra d'une manière naturelle. Et c'est à ça que nous voulons amener le peuple de Dieu pendant les Ravis 2021. Maman Dorcas, je vais encore vous rappeler quelque chose d'autre. Demander à Dieu des millions, c'est bien, mais quelqu'un peut ne pas venir à l'église, travailler, bosser durement et gagner des millions. Mmh. Donc nous venons vers le Seigneur parce que le Seigneur a quelque chose qui va au-delà des millions. Et c'est pour ça que nous voulons assez que le peuple de Dieu comprenne qu'on ne vient pas devant le Seigneur simplement parce que nous avons besoin de téléphones, nous avons besoin de voitures. Ça, Maman Dorcas, vous êtes témoin, vous savez qu'il y a des païens qui ont mieux que ce que les chrétiens ont. Mm. Donc nous ne venons pas adorer le Seigneur pendant Ravis 2021 pour ça. Nous venons pour réveiller le peuple de Dieu. En fait, Ravis 2021 ne concerne pas seulement Torrent de vie. Okay. Dieu a placé l'inspiration en Torrent de vie. C'est pourquoi vous voyez les serviteurs de Dieu, Joël Kaboué et Evelyne de Lubumbashi. Il y a des gens qui sont en train de prendre des avions qui vont arriver. Mmh. Donc, c'est pour vous dire que c'est une inspiration qui est venue au Torrent de vie, mais pour l'Église corps de Christ. Amen. Nous devons maintenant comprendre qu'il y a de quoi adorer le Seigneur, oubliant tout ce dont nous avons besoin. Parce que je pense que le Seigneur nous attend au-delà de ça. Ancien Moïse, vous nous avez interdit ici de ne pas venir demander ce jour-là. De ne pas venir nous plaindre ce jour-là, de ne pas venir pleurer. Si nous allons pleurer, ça sera le résultat de notre adoration. Lorsqu'on adore, on est vraiment dedans, les larmes peuvent couler, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'adoration, cette adoration que nous apportons, que nous offrons à Dieu, va également influencer ou impacter notre vie? Lorsque nous adorons Dieu, qu'est-ce qui arrive après? Oui, Maman Dorcas, l'adoration que nous allons offrir à notre Dieu va impacter notre vie. Mm. La Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est là que vous saurez qui il est. Mm. Voilà. Lorsque nous disons, dans notre vie, nous avons des soucis quotidiens, je dois avoir ça, je dois obtenir ceci, ça se résume en vie, je dois gagner la vie. Le titre même de notre rassemblée, de notre convention, c'est rassemblement des vies. Okay. Nous nous disons que nous nous rassemblons autour de Dieu, autour de son trône, et de ce trône coulera la vie. Wow. De ce trône coulera la vie. Mm. Vous voyez, c'est comme par exemple dans un bâtiment comme celui-ci, généralement on trouve qu'il y a un point de rassemblement. Bon, quand il y a un problème, tout le monde à coup pourrait se rassembler. Donc maintenant là, il y a un point de rassemblement qui sera défini à partir de minuit aujourd'hui, pendant 4 jours. Et tout le monde qui veut la vie va accourir vers ce point-là. Nous nous rassemblons, nous l'adorons. Et il dit que nous saurons qui il est. Waouh. Et j'aime ces dieux. Lorsqu'on l'élève, ben, il ne reste pas à bras croisés. Lui aussi, à son tour, il nous élève. Et n'oubliez pas qu'il nous a promis de nous amener de gloire en gloire. Alors, on peut déjà écouter quelque chose aussi, hein, parce que vous avez plusieurs casquettes, pasteur. Ce jour-là, je ne sais pas, vous allez intervenir en tant que pasteur, en tant qu'adorateur, ou vous allez utiliser toutes vos casquettes? Bon, je vais utiliser toutes les casquettes. On peut écouter quoi? Utukufu ni wako, e Mungu wangu,
pokea heshima e Mungu wangu utukufuni wako utukufuni wako utukufuni wako utukufuni wako utukufuni wako tu as le dernier mot tu as le dernier mot tu as le dernier mot Jésus tu as le dernier mot tu as le dernier mot tu as le dernier mot Jésus Amin allele Amin allele Amin allele Amin allele Io lele 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 Tu as le dernier mot Tu as le dernier mot Tu as le dernier mot Jésus Ben c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. Déjà, l'ancien Moïse a commencé à... Il a un peu flashé déjà le programme. Vous avez dit, tout commence déjà aujourd'hui à minuit. Oui, c'est le premier jour déjà. Qu'est-ce qui va commencer? On va gêner, on va... Ou bien nous présenter devant le trône? Il y a des conditions pour se présenter devant le trône? Oui, si j'ai dit tout à l'heure que tout commence à minuit, c'est parce que le premier jour, c'est déjà le 22 juillet. Okay. À partir de minuit aujourd'hui, nous commençons à parler déjà du 22. Mm. Voilà. À partir de ce 22, donc le programme commence à 16h30. Nous allons de 16h30 à 19h30. Okay. Ce premier jour. Mm-hmm. Le deuxième jour également, le vendredi 23, de 16h30 à 19h30. Okay. Le samedi également, le 24, de 16h30 à 19h30. Mm. Et le dimanche 25, nous venons clôturer, parce que nous n'avons que 4 jours. Cette fois-là, c'est le culte le matin. Okay. Le culte en un seul culte, parce que d'habitude, nous avons 3 cultes, mais nous n'aurons qu'un seul culte, qui ira de 8h à 10h30. Okay. Et nous clôturons le Ravi 2021. Avec tous les orateurs. Bon, chaque jour, il y a un orateur. Oui, chaque jour, il y a un orateur, mais les dimanches, ils seront là aussi. Pas du temps de tout un chacun. Ah, OK. Mais je repose un peu, cette question. Qui est appelé finalement à se présenter devant le trône des dieux? Je ne sais pas qui va me répondre. Devant le trône des dieux, c'est tout adorateur, tout enfant des dieux adorateur. Parce que tout le monde n'est pas adorateur. La Bible nous dit que l'heure vient, il est déjà venu, où le vrai adorateur. Dieu lui-même connaît les vrais adorateurs. Ok. Voilà. Donc, tous les vrais adorateurs sont appelés à se présenter devant le trône. Papa Chouchou. S'il faut continuer, nous voulons juste dire qu'on n'est pas chrétien par intermittence. Ok. Et on n'est pas chrétien par délestage, parce que ça, c'est le terme que les Kinois vont bien comprendre. On est chrétien à temps plein. Donc, on est chrétien, on a reçu les seigneurs, on marche avec les seigneurs, on vit pour les seigneurs. Mm. Et c'est ce que nous appelons chrétiens. Et ce sont ceux-là qui sont appelés à adorer les seigneurs. On n'adore pas les seigneurs dimanche au culte, alors que samedi soir, on a adoré autre chose. Ok. Ouais. On n'est pas adorateur parce que samedi, on a dansé toute la nuit dans une boîte de nuit. Et puis, bon, voilà, par formalité... C'est parce qu'il y avait une fête. Le samedi, nous sommes allés à la fête, on a dansé, et puis voilà, le dimanche, on vient se prosterner. Maman Dorcas, Dieu n'est pas contre les chants, mais vous savez de quoi je suis en train de chercher à parler. Mm. C'est-à-dire que même dans nos danses, nous pouvons rester adorateurs du Seigneur. Okay. Oui. Même dans nos moments de fête, nous pouvons rester adorateurs du Seigneur, parce que j'ai dit qu'il est question de cœur. Mm. Donc, même dans notre moment de réjouissance, nous devons tout. C'est une question d'identité, maman. C'est une question d'identité. Vous savez, c'est vraiment une question d'identité. À un certain moment,
vous êtes dans une direction, vous voyez les gens danser d'une certaine manière, mais vous connaissant votre identité, vous devez savoir aussi comment vous comporter. Et nous appelons des gens qui marchent avec le Seigneur, qui croient que le Seigneur est leur Seigneur réellement, et ce sont eux qui viendront pour adorer le Seigneur. Donc c'est une convention où nous sommes en train d'appeler tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Parce que comme je l'ai dit ici, il n'y a pas que Torrent de Vie, il n'y a pas que la communauté La Borne, non. C'est les enfants de Dieu, tout ça ce ne sont que des dénominations. Voilà. C'est les enfants de Dieu qui sont appelés à venir adorer le Seigneur. Tous les corps du Christ sont donc invités à prendre part à ces assises donc, qui vont donc commencer du 22, déjà demain jeudi, donc aujourd'hui déjà à minuit, on sera déjà demain. Donc, on commence de 16h30 à 19h30. En dehors du pasteur Joël, est-ce qu'il y a d'autres orateurs? En dehors du pasteur Joël, nous avons le pasteur Atoms Mbouma, okay, de la cité d'exaucement de Kinshasa, qui sera avec nous. Et nous avons le pasteur Lode Lombo, qui sera également avec nous. C'est pourquoi j'ai dit au début que nous avons essayé d'avoir tous les styles de l'adoration de notre pays. C'est-à-dire que le pasteur Joël vient avec un peu le style de notre de l'Est, et les deux autres bien-aimés viennent avec les styles de l'Ouest, ça sera vraiment des moments d'adoration. Et ça, il ne faut pas que les gens ratent. J'ai quand même envie de poser cette question. Je ne sais pas si le pasteur Alain Kitenga va me tenir rigueur, mais je me rends compte que cette sélection, ben c'est vraiment une sélection. Bon, puisqu'il n'est pas avec moi sur le plateau, vous allez répondre à sa place. Pourquoi seulement ces trois orateurs? Nous l'avons dit ici, et c'est pourquoi vous avez même vu que notre père, le pasteur Alain Kitenge, s'est retiré. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons les grâces que Dieu est en train d'élever dans notre pays. Mama Dorcas, ça c'est aussi une façon de respecter Dieu et de l'adorer. Okay. Reconnaître les grâces que Dieu élève parmi vous. Dieu a élevé le pasteur Joël Kaboué dans l'adoration dans ces pays, ça nous ne pouvons pas le contester. Dieu a élevé notre frère, le pasteur Atoms Mbouma, dans l'adoration dans ces pays que nous ne pouvons pas contester. Dieu a élevé le pasteur Lode Lombo dans l'adoration et ça nous ne pouvons pas contester. Pourquoi nous allons faire des choses à notre manière alors que le Seigneur nous a convaincus d'appeler des gens qui vont aider, au fait ce n'est pas notre peuple. Sans polémique, hein. Il y a aussi des frères qui sont élevés par Dieu. Hein. Ils sont nombreux. J'attends seulement pasteur Joël Kab, pasteur Atoms Mbouma, pasteur Lode, je ne suis pas contre eux. Et loin de moi l'idée de polémiquer. Moi je ne polémique jamais dans les choses de Dieu. Nous n'avons que 4 jours. et le culte nous prend 3 heures. Avec le couvre-feu, avec le mesure barrière, tout ce qu'il y a. Parce que nous sommes censés respecter ça aussi. Oui. Parce que c'est ça, respecter l'État, être des bons citoyens. Oui. Parce que c'est là qu'il faut rappeler ici que tout le monde doit respecter les mesures barrières. Tout le monde vient avec son masque. Et tout le monde doit... nous allons respecter la distanciation sociale. Et il y aura tout ce qu'il y a autour de ça. Bien sûr. Pour ne pas tomber dans les pièges de coronavirus. Donc, vous voyez, nous n'avons que 4 jours. Donc, le Seigneur a mis à cœur de son serviteur d'avoir avec nous à cette édition ces 3 orateurs-là. Oui. Et on va voir dans les années qui viennent qu'est-ce que le Seigneur pourra faire. Il est Dieu, parce que nous sommes à la 5e édition des Ravis. Wow. Dans les autres éditions, le pasteur Joël n'était pas là. Donc le Seigneur lui-même sélectionne chaque année ceux qui sont censés intervenir. Merci. Et lui, quand il choisit, quand il sélectionne, ben, ça sera bien. Donc il faut venir. Alors, anciens, lorsque vous nous appelez tous comme ça à venir, est-ce qu'il y aura assez de la place? Oui, Maman Dorcas, pour parce que déjà les enfants maison, les torrents des villas, ouais, eux-mêmes déjà ils vont remplir. Oui. Et les autres là, ils feront comment? Oui, pour ceux qui connaissent Torrent des Vies, ils vont répondre par l'affirmatif à cette question-là. Il y aura de la place, c'est prévu. À part notre temple qui a le balcon, nous avons une deuxième parcelle en face, okay, là où s'est réunie notre écodim. Oui, nous avons arrangé pour cela, et notre écodim est délocalisé. Les enfants, les tout petits seront délocalisés pour laisser la place qui va accueillir d'autres personnes. Wow. Pasteur Joël, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans cette 5e édition de Ravi 2021? Très bonne question, mais je pense que c'est Dieu lui-même qui sait ce qui va se passer. Il vous a rien soufflé à l'oreille? Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes que des canaux. C'est lui-même qui sait ce qu'il doit faire. Il vous a rien dit? Non. Est-ce que vous lui avez posé la question? Oui, il n'a rien dit.
Vous voyez, il y a des choses, vous voyez, par exemple, comme... il y a une histoire qui me plaît beaucoup dans la Bible, c'est de Paul et Silas. Je sais quand même que pendant qu'ils louaient, ils s'attendaient, ils ne le faisaient pas pour être délivrés. Ok. Oui, donc c'est-à-dire, sûrement quand nous allons commencer à adorer Dieu, le Seigneur va nous surprendre lui-même selon sa grandeur. C'est un Dieu grand. Alors, on écoute encore juste un petit extrait. Pourquoi je fais chanter le pasteur Joël sur ce plateau? Mais c'est comme ça également, ça va se passer. Hein, il y aura également des cantiques qui vont finalement, pendant ces quatre jours, qui vont nous permettre également à nous plonger, à entrer également dans la profondeur de choses. Parce que le papa Djoudjou l'a dit, on ne vient pas adorer, on vient seulement, on commence à parler. Non, il faut laisser le cœur parler. Et c'est Dieu là parle au cœur et il sait bien entendre également le cœur. Donc il faudra venir déjà, je vais leur poser la question. On ne se présente pas non plus devant le roi comme ça. Ils vont nous dire, est-ce qu'il y aura peut-être des choses que nous devons faire par rapport à notre préparation finalement pour se présenter et que cette adoration soit agréée. Parce que quand je vois Caïn et Abel qui ont offert à Dieu, ben, il y a une adoration ou une offrande qui a été acceptée et l'autre a été rejetée. Un petit cantique. Senga, senga mukwachi, senga e. Senga, senga mukwachi, senga e. Ikyo be kiaba, kia kulonga e. Tuka, 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 tuka. Ulonge bien tumbo, alele. Ulonge bien tumbo, alele. Kiba buana yo yo yo. Yo 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 eh, kiba buana yo yo yo, yo 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 eh, kiba buana yo yo yo, yo 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 eh, kiba buana yo yo yo, yo 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 eh, ata ata, wama diese. Ivana Milomelo ya mi Yesu Milomelo ya mi Yesu Alors expliquez-nous deux fois on chante je sais que le Swahili fait partie de nos quatre langues nationales, mais des fois nous chantons, il y en a qui chantent, qui suivent juste la mélodie, oui. Sans pour autant comprendre même ce qu'ils chantent ou pas bien prononcer même le mot. Qu'est-ce que vous dites exactement dans ces cantiques? Dans le premier chant que j'ai chanté, où j'ai dit Emungu wangu pokeyashima, le chant veut dire Oh mon Dieu, reçois la gloire, oh mon Dieu, l'honneur t'appartient. Ok. C'est le premier chant, et puis. Tu as le dernier mot, ça vous avez compris. Et Senga, c'est-à-dire, toi le Saint-Esprit, c'est ton temps, viens agir. C'est-à-dire, c'est un chant de quelqu'un qui reconnaît ses limites. Vous savez, quand nous avons des problèmes dans nos vies, des fois nous essayons par nous-mêmes. Et il arrive des fois où nous nous retrouvons vraiment à bout. Nous laissons le temps à Dieu.
Donc, c'est ton temps, viens opérer des miracles. Le deuxième chant que j'ai chanté, le chant veut dire ceci, Seigneur, c'est ton temps. OK. Oui. Seigneur, c'est ton temps. Et avant d'ailleurs que je parle de comment venir, comment se présenter, comment se préparer finalement, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit, c'est quoi le rôle que le Saint-Esprit joue finalement dans notre adoration? Si vous pouvez nous aider à comprendre. Maman Dorcas, on n'apprend pas l'adoration à l'école. Moi, je suis architecte, on ne m'a jamais appris à faire l'adoration en architecture. Ok. Les juristes vous diront qu'on ne les a jamais appris à adorer. Même nous, dans les médias. Hein, même vous, dans les médias, on ne vous a jamais appris. Il n'y a pas un cours comme ça. Non. Imaginez qu'avec tous ces grands diplômes, ces gens sont incapables d'enseigner l'adoration à quelqu'un. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler la vraie nature de Dieu. Nous n'avons jamais été dans là où Dieu crée les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ça. C'est le Saint-Esprit qui vient nous rappeler qui nous sommes. Parce que, Maman Dorcas, vous savez, pour bien adorer Dieu, vous devez savoir vous-même qui vous êtes. Vous devez avoir la vraie révélation du Dieu que vous adorez. Nous n'adorons pas les idoles. Et ça, c'est le travail que fait le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit fera encore mieux pendant les temps que nous allons passer dans la vie 2021. Wow. Alors, nous parlons de cette cinquième édition de Ravi, cinquième édition de Ravi 2021, donc la convention, sur la convention, sur la louange et l'adoration. Hein, Ravi, ce qui est donc cet rassemblement de vie. Sa vie, ma vie, votre vie, nous nous rassemblons finalement pour élever Dieu, n'est-ce pas? Et cette année, le thème retenu, c'est donc devant le trône. La convention mettra beaucoup plus l'accent sur la louange et l'adoration. Et mes invités l'ont dit ici, on n'ira pas pendant ces 4 jours pour demander. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Non, il y a aussi des choses qu'il attend de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est la louange et l'adoration. Il aime lorsqu'on l'adore, lorsqu'on l'élève. Alors, devant le trône, c'est le sujet même que nous exploitons ce matin. On est ensemble avec l'ancien Moïse Badibanga, qui est là, qui fait partie également du comité organisateur, et aussi Papa Juju Kibansa, qui est là également, qui est parmi les organisateurs également de cette cinquième édition de Ravi 2021. Et notre invité parmi les orateurs, parce qu'on a retenu, il y aura 3 orateurs, bien sûr avec le pasteur Alain Kitenge lui-même, qui sera également de la partie, mais nous avons 3 orateurs qui viennent, j'allais dire de l'extérieur, non, qui viennent de la RDC. Voilà, ce sont des fils maison de la RDC. Il y a le pasteur Joël Kabou qui est avec nous. Lui, il vient de Lubumbashi. Il y aura le pasteur Atom Sombouma de l'église de Phil, la cité d'exaucement. Il y aura également le pasteur Lode Lombo. Donc, pour dire, cela concerne l'église corps du Christ, non pas seulement la communauté, la borne. Non, cela concerne le corps du Christ. Il y en a qui sont des oreilles, les yeux, les mains, les doigts, les orteils. Donc, nous formons le corps du Christ. Avant que je ne lise cette question, ancien et aussi Papa Juju, je vais chez les pasteurs. Je vais d'abord lire cette question pour que M. Francis Loyembo ne se fâche pas. Il nous écrit depuis la ville de Guadolité. Bonjour Maman Dorcas, bonjour à nos invités. Je m'appelle Francis Loyembo depuis la ville de Guadolité. Je pose la question aux invités qui nous aident, qui nous donnent la différence qui existe entre un amoureux de Dieu et un adorateur. Pasteur Joël. Bon, merci beaucoup pour la question. En fait, la question, elle est un peu vague, mais on va essayer de répondre. Au début, j'ai dit que adorer Dieu, c'est mener une vie qui est soumise à Dieu. C'est-à-dire une vie où on dépose tout ce que nous sommes devant tout ce que Dieu est. Et vous allez vous rendre compte que les adorateurs, chaque adorateur a un niveau par rapport à son degré d'intimité avec Dieu. Il y a ceux qui passent plus de temps avec Dieu, il y a ceux qui sont adorateurs juste parce qu'ils sont chrétiens. Alors, dire un amoureux de Dieu, si j'ai bien compris cette question, je peux dire un amoureux de Dieu, c'est un adorateur qui mène une vie complètement consacrée à Dieu.
c'est-à-dire qui quitte le stade normal d'enfant de Dieu et qui vit une certaine consécration différente d'un chrétien normal. Okay. Hein, c'est la réponse qu'on peut lui donner. Mais la question est quand même vague, mais on essaie de répondre. Donc c'est un amoureux, donc il aime tellement Dieu qu'il se prive de beaucoup de choses. Oui. Il se consacre totalement. Il est adorateur et il se donne totalement à Dieu. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Un de nos orateurs, le pasteur Atoms, j'aime ce qu'il dit dans l'une de ses chansons. Il dit « Nakomoti kozalanga ». Okay. Ça, c'est une autre dimension, Maman Dorcas. Okay. Ça, ce n'est pas la dimension de l'enfant de Dieu qui vient seulement à l'église et qui attend que les modérateurs envoient une chanson pour qu'il adore. Maintenant, on va adorer. Ça, non. C'est une autre dimension. Okay. Ça, il faut atteindre une autre dimension. C'est ça, l'amour de Dieu. Être amoureux de Dieu. Tu ne peux plus t'en passer on de Dieu. On s'oublie. On s'oublie. Et là, Maman Dorcas, il est difficile qu'une telle personne mène la vie du péché. Il n'a pas le temps pour ça. Le péché n'aura même pas une porte d'entrée dans sa vie. Non. Parce que la personne s'oublie. La personne dit Nakomoti kozalanga. Nakomoko maloko layo. Il ne peut pas avoir la place. Bon, il s'efface totalement. Quoi. Non, il ne peut pas haïr. Il ne peut pas jalouser. S'il voit que Maman Dorcas prospère, il sera heureux. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Et ça, nous allons l'apprendre à Ravi 2021. Mmh. C'est des moments merveilleux. Il ne faut pas manquer ce temps. On ne va pas tout dévoiler ici. On va pas tout dévoiler. Sinon, ils risqueraient de dire, sur le plateau de Maman Dorcas, ils avaient déjà tout dit. Hein, que non. Ici, on est en train de vous flasher seulement. Hein, on vous met l'eau dans la bouche pour vous pousser, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, à venir répondre à ce grand rendez-vous. Alors, on vient comment? Est-ce que nous devons nous préparer? Si oui, comment le faire, ancien? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Avant de répondre à votre question, je voudrais apporter une petite correction par rapport à l'édition de Ravi. Okay. Nous sommes à la sixième édition. Okay, Ravi, c'est une convention qui vient chaque deux ans. La première édition a eu lieu en 2011. Ce qui fait que la deuxième édition, c'était en 2013. Okay. En 2015, c'était la troisième édition. 17. En 2017, quatrième édition. En 2019, cinquième édition. Nous sommes à la sixième édition de Ravi. Sixième édition et non cinquième édition. Voilà, c'est corrigé. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, pour répondre à votre question de tout à l'heure, comment nous allons venir? En d'autres termes, comment allons-nous nous présenter devant Dieu? Les serviteurs de Dieu avec qui nous sommes sur place nous ont dit depuis le début que adorer Dieu, c'est reconnaître qui est Dieu. Je cherche à connaître qui est d'abord ce Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Dans Apocalypse, nous avons lu tout à l'heure que le vieillard, les anges devant Dieu, il l'appelle saint. Dieu est saint. Et la Bible nous dit que celui qui nous a appelés, parce que celui qui nous a appelés est saint, et nous qui répondons à son appel, nous devons aussi nous sanctifier. Donc c'est clair et net. Quand nous prenons conscience de qui est Dieu, nous devons aussi prendre conscience de notre état actuel et voir comment, avec notre état, nous pouvons rencontrer Dieu. Voilà. Voilà pourquoi maintenant, prenant conscience de mon état actuel, je suis un pécheur, Dieu dit que si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste. Oui, pour nous les pardonner. Voilà. Donc, si nous prenons conscience de notre état, nous allons à genoux, nous disons, Seigneur, je voudrais être en harmonie avec toi. Voilà, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Sinon, le péché constituera toujours un mur entre nous et Dieu. Et notre adoration ne sera pas agréée. Parce que le grand problème, c'est celui-là. Nous pouvons adorer, mais notre adoration, si elle n'est pas agréée, nous avons fait un travail vain. Alors, quiconque prend l'engagement de se présenter devant Dieu, il doit prendre conscience de son état par rapport à la parole de Dieu, par rapport à qui est Dieu. Et il doit confesser ses péchés et s'approcher de ses dieux. Papa Chouchou. Oui, je vais juste compléter l'ancien Moïse pour dire que quelqu'un ne peut pas être chez lui, il est en train de nous suivre. Il s'est dit, ah, moi j'ai encore mes tatouages, moi j'ai encore mes locks, mais ce qu'on appelle là, j'ai c'est pas mon nez percé. Moi j'ai encore mon nez percé. Non, le Seigneur ne ferme pas la porte à quelqu'un. C'est-à-dire que nous sommes, même vous qui pensez que Dieu... vous ne marchez pas avec le Seigneur, l'occasion peut vous être donnée par Ravi 2021 de faire partie désormais des enfants de Dieu.
Ok. Parce qu'on le devient. Ok. On le devient. C'est-à-dire qu'il est encore possible de devenir enfant de Dieu. Donc tu nous suis maintenant. Tu te dis, mais telles que les choses sont présentées là-bas, moi je ne sais même pas comment adorer Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé du Saint-Esprit, Maman Dorcas. Vous arrivez là, les modérateurs, vous attendez que la musique soit là, et si le courant part, vous ne savez plus rien dire. Non. C'est là que le Saint-Esprit vient nous aider. Donc, vous qui m'écoutez à la maison, tous ceux qui me suivent, partout au travers le monde, ravi de me... Et là, Maman Dorcas, je vais quand même ouvrir rapidement une parenthèse pour dire qu'en dehors de ceux qui vont nous suivre en présentiel, nous avons pris toutes les précautions pour que nous soyons suivis en live sur Facebook, sur notre page Torrent de Vie. Okay. Donc, même vous qui allez nous suivre de loin, connectez-vous et sachez que Ravi 2021 vient aussi pour donner la possibilité ou l'opportunité à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu de les devenir. Parce que Jésus revient bientôt, nous n'avons plus assez de temps et nous n'avons pas le temps de continuer à rester, vouloir mener notre vie comme nous le voulons. Le Seigneur est à la porte. C'est une occasion aussi pour que les gens reviennent dans la bergerie. Mais ça c'est bien parce que le papa Djoudjou m'a vraiment précédé. Je voulais d'ailleurs poser cette question, est-ce que ça concerne seulement ceux qui sont déjà nés de nouveau? Heureusement, il a répondu à ça. Donc toi qui te sens encore sale, tu te vois encore sale, tu te dis, est-ce que même moi, il va m'accepter? Dieu n'est pas comme nous. Les hommes rejettent, Dieu ne rejette pas. Donc viens tel que tu es. Nous aussi, on était comme toi. On était tellement sales avec la boue, mais lui qui est saint, il a accepté de nous faire un câlin. J'aime bien le dire comme ça. On a sali ses habits, il a accepté de se faire pécher pour toi et moi. Alors viens ce jour-là, l'homme de Dieu l'a dit, il y aura également l'occasion qui te sera donnée pour que tu deviennes aussi enfant de Dieu. Il n'y a plus de temps. Hier, je l'avais dit dans ta grandeur, il y aura un moment où tu vas chercher la parole, mais il n'y aura plus la parole. Profitons de ce temps de grâce, n'est-ce pas? Alors, pasteur Joël, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, peuvent également prendre part, nous avons compris. L'ancien Moïse nous a dit, nous devons nous préparer, nous qui sommes déjà enfants de Dieu. Il ne faut pas venir, tu étais en boîte, tu as bu, tu as mangé, tu as insulté, tu étais dans le commérage, dans toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et puis tu te présentes seulement comme ça. Tu seras comme Caïn. Tout se prépare. Prépare-toi spirituellement. Sanctifie-toi et présente-toi devant le trône. Vous, vous invitez qui? Il y a peut-être le Louchois qui sont aussi à Kinshasa. Alors j'aimerais bien, peut-être que nous avons parlé en français. Alors, on va commencer avec vous, pasteur. Dites-moi en Swahili, vous appelez qui? Okay, merci beaucoup pour la parole. Nalika watu wote wanakuya umkichasa, natoka Kalemi, muko wakukatanga, muko bafasi ya huku na huku. Tuko na programme munene ku Torrent de Vie. Programme munene na thème yayo ni devant le trône. Alors, ma adresse, je pense que Papa Moïse est au mieux placé. Je vais vous donner tout ma détail, ma adresse. Tout le temps, tout le programme est tout le jeudi, na tout le dimanche. Moukouye, tout tu caribie, mon présence, ya mungu wetu. Amen. Mungu anubariki. J'ai bien dit? Oui. Ah. Mungu anibariki. Ah, anibariki. Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui. Et si c'est moi? Mungu akubariki. Ah. C'est ça. C'est ça même que j'ai dit aussi. Alors, on va... Oui. Ancien. Sema Kounan Kouchilouba. C'est un grand exercice. Yo, nous, bande bête bonso, bande mou dit on dit à sens, bande mou province y est yonso, église ou est tout Torrent de Vie, extension à la borne, tu dis Muki Tambo, tu dis tout long le chi sangi le chine, tu dis bigle une convention, tu dis bigle un rassemblement de vie. Zambi du tout sangi, je sais beaucoup de péché moi. Donc tu dis tout nous bigle nous un bon, baluma bakajba na bakese biten, tout le bon sou, tout sangi le moi beau, mi ban kuji tout kuji naï, ban kuji tout kujama kel ja jinaï. Je dis que je suis un homme qui a été 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 un homme qui
Je suis un pasteur. Donc, de jeudi tina na samedi, betke na 16h30 tina 19h30, na lumingu bete na 8h tina 11h30. Donc, bezanga ve bete na pasteur Atoms, pasteur Lord Mbongo, na pasteur Joël Kabo ya mekato na Lubumbashi ke déjà awa, nzambi ta sampola tout mingi bezanga ve. C'est comme ils ont dit là. C'est comme ils ont dit en Swahili, en Chiluba, en Kikongo. Alors, moi, je vais le faire en Lingala. Bande kona biso nyoso ya Kinshasa ya ba province nyoso ba yoka kakote ya Lingala. To bengi si bino na milulu minene oyozo banda lobi mokola minei na ngonga ya 16h onde na ebite, me na 16h30 na kati ya eglise Torrent de Vie. Eglise oye kambami na mousai na nzambe pasteur Alain Kitenge. Arozala ye mokote, a bengi si pe basa na nzambe mousousou loko la pasteur Joël Kabo et ozala ye awa outu Lubumbashi. Pasteur Atom Sumbuma, oya église fil la cité d'exaucement, kuna na Kingabwa, akozala. Pasteur Lode Lombo, ya fila yepe akozala. Tolobi, thème auto retenu pour la convention oyo, pour la 6e édition, ya rassemblement de vie 2021, Isabongo devant le trône. Liboso, ya Ngwende. Ngwende ya nani? Ngwende ya mokel na biso. Alors, quoi peut m'abou pambater? Non, tu n'as pas appelé soit ma bonze civi. N'attends rien une question. Bonjour, je vous écris depuis Kikwiti. Pangi na muna Kikwiti, betu ke pesa yo mbote mingi. Je vais aussi demander à nos invités de nous éclaircir sur la nuance entre musicien chrétien et adorateur. Je m'appelle Stevens Kabene depuis Kikwiti. En fait, quand on dit musicien chrétien, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne, mais qui choisissent de chanter la musique chrétienne. Ok. Il y a des gens qui se passent. Par exemple, il se dit, si je fais la musique chrétienne, j'aurai des sponsors. Si je fais la musique chrétienne, je vais me retrouver. Il y a des gens, donc c'est un païen tout fait, mais qui fait la musique chrétienne. Qui chante Dieu. Qui chante Dieu, oui. Mais un adorateur, c'est quelqu'un qui vit Dieu. Okay. Il y a une relation personnelle avec Dieu. Et de foi, les adorateurs, par leur chant, expriment ce qu'ils vivent en intimité avec Dieu au travers de leur chant. Okay. C'est-à-dire, un adorateur, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, tandis qu'un musicien chrétien peut être quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, mais qui chante la musique chrétienne. C'est clair. C'est clair. Messieurs Stevens, depuis Kikwiti. Alors, on revient... On va rappeler également en français rapidement la 6e édition de Ravi 2021. Ça va se passer où, quand, les déroulements, si on peut juste avoir les grandes lignes. Je commence avec l'ancien qui va également en profiter pour dire son dernier mot. Ok, la 6e édition de Ravi, nous l'avons dit, ça se passe dans notre temple de l'église Torrent de Vie, qui est situé sur l'avenue de la foi numéro 4. Il y a des références. Si vous êtes sur magasin Kitambo, et vous allez vers Bandal, quand vous arrivez à la hauteur de... avant d'arriver à l'alimentation Babylone, où il y a un terrain où l'on plairait de mort autrefois avant les mesures, vous prenez la droite, il y a déjà notre pancarte Torrent de Vie, vous entrez là-bas, vous demandez l'église, la borne Torrent de Vie, on vous indique, vous êtes arrivé. Mais si vous venez de la station Ma Campagne vers magasin Kitambo, quand vous arrivez sur le terrain Babylone, c'est le terrain là où l'on plairait des morts, vous avancez à votre gauche, vous entrez, il y a notre pancarte, vous demandez l'église, la bonne Torrent de Vie. Papa Chouchou, à quelle heure, jusqu'à quelle heure? Oui, comme nous l'avons dit, donc demain jeudi,
de jeudi à samedi, c'est de 16h30 à 19h30. Et dimanche, nous sommes là de 8h à 11h30. Donc, nous rappelons ici que Ravi 2021, comme l'a dit le pasteur, a tombé dans son poste. Donc, nous avons les temps d'enseignement, les temps d'écouter la parole de Dieu, d'abord de louer et d'adorer le Seigneur. Et là, il n'y a pas que les hommes de Dieu qui sont là qui vont nous aider en cela. Il y a aussi l'Union musicale des Torrents de Vie, okay, notre groupe qui est bien préparé pour cela, pour tous les 4 jours. Et aussi, en dehors de temps d'enseignement, d'écouter la parole de Dieu, tous nos orateurs vont nous conduire dans la pratique. C'est-à-dire, on va avoir le temps maintenant de louer et d'adorer le Seigneur avec nos invités. Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour vous contacter, contacter les comités organisateurs? Je pense que là, nous allons donner les numéros de l'Église. Mm-hmm. Vous nous avez pris un peu à pied levé. Cherchez voilà le numéro pendant que le pasteur Joël va. Alors, également. Okay. Le vous avez numéro de l'Église numéro est le 081. Oui. 89. Mm-hmm. 081 89 83 547. Donc, je répète, 081 89 83 547. Donc, c'est ça les numéros de notre secrétariat. Okay. Donc, dès qu'on appelle ces numéros-là, pourquoi pas pour soutenir l'activité ou soit encore pour avoir des précisions par rapport à cette activité. Tous les autres détails, on peut facilement les avoir à ces numéros-là. Pasteur Joël, vous nous dites quoi et vous dites quoi aux téléspectateurs de On est ensemble? Bon, peut-être le dernier mot que j'aurais à lancer, c'est juste inviter le peuple de Dieu de Kinshasa à venir massivement participer à ce grand programme devant le trône. Pendant que Papa Moïse parlait, je suis allé dans le livre d'Ésaïe où j'ai vu Ésaïe qui était déjà un grand prophète, mais lorsqu'il s'est présenté devant le trône, il dit « Malheur à moi, moi qui suis né dans une famille. » Au fait, oui, au fait, devant le trône, je pense que devant son trône, c'est là que nous découvrons même nos erreurs que nous avons. Mm. Alors, j'invite les pasteurs, j'invite les prophètes, j'invite les évangélistes, j'invite tous les enfants de Dieu à être là, parce que c'est seulement dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, qu'on découvre ce que nous sommes réellement. Ça, c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Et j'ai aimé parce que les pasteurs à inviter les autres pasteurs, les autres serviteurs de Dieu. De nos jours, ça devient tellement de plus en plus compliqué. On oublie que nous sommes le corps de Christ. Papa Tchoutchou l'avait dit, lorsque Dieu élève, lorsque vous voyez quand même comment Dieu utilise votre frère ou votre sœur, s'il faut l'acclamer, ben faites-le. S'il faut l'inviter, faites-le. Hein? On ne doit pas se mettre le bâton dans le roue pour dire... Non, on est tous enfants de Dieu. Et nous formons les corps du Christ. Lui-même, il est la tête. Nous, nous sommes les restes des membres. Je n'ai jamais vu la main se plaindre pour dire « C'est toujours moi qui nettoie les pieds. » Je n'ai jamais vu les pieds dire « Mais c'est toujours moi qu'on utilise pour que tous les corps se déplacent. » Non. Chacun, chaque membre est là, à sa place, et continue à fonctionner et à bien jouer son rôle. Alors, chers serviteurs de Dieu, Dieu passe par le pasteur Alain Kitenge, passe par l'église Torrent de Vie pour vous inviter, venez et ensemble adorons Dieu. On ne sait pas ce que ton adoration de ces 4 jours peut produire dans ta vie. L'invité invite aussi? Oui. Ah, ok. Wap invitation. Donc, bah, on y est sur Balandi Biso, baza, bah, go panza sang. Bah, on y est sur Balandi Biso, bah, panza sang. On a bah réseaux sociaux. Si vous tombez sur notre affiche, partagez pour inviter les autres. Inviter les autres. On est ensemble. B1 a accepté également d'accompagner finalement la convention, mesdames et messieurs, 4 jours dans la présence de Dieu, non pas pour se plaindre, non pas pour demander. Nous demandons beaucoup, hein, dans nos prières. Non. Mais 4 jours pour être enseigné et pour passer beaucoup plus de temps dans la louange et dans l'adoration. N'est-ce pas que c'est mieux? Déjà, avec Torrent de Vie, on avait prié pour la nation. Maintenant, Dieu invite encore la nation congolaise à le louer et à l'adorer.
Alors venez, vous avez eu tous les contacts, vous avez eu l'adresse de l'église. Nous nous disons merci au pasteur responsable de l'église Torrent de Vie, qui est une extension de l'église là-bas, le pasteur Alain Kitenge. Merci. Merci au pasteur Joël d'avoir accepté l'invitation. Merci au pasteur Atoms, merci au pasteur Lode Lombo. Merci Papa Chouchou Kibanza. Merci à l'ancien Moïse Badibanga. Merci aussi à la grande équipe qui a travaillé aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour que ce numéro de On est ensemble arrive jusque chez vous, à Kikwit, jusqu'à Guadolite. Je ne sais pas pourquoi Katanga aujourd'hui n'a pas écrit. Je ne sais pas pourquoi le Congo central aujourd'hui n'a pas écrit. Peut-être qu'ils ont écrit, mais bah, SMS, hein, le temps, Yannick Abanga Kumaka, ça prend aussi du temps. Mais sinon, nous vous aimons beaucoup. Demain, jeudi, il y aura On est ensemble avec l'équipe de Julie Sefou. Il y aura Jipika, il y aura les intervenants qui seront là. Alors, un grand merci, n'oubliez pas, du jeudi au dimanche. Allez-y, adorez Dieu et louez-le. Un grand merci, un clin d'œil à Dorcas Efinda, qui est donc la fiancée de Francis Landou. Merci et portez-vous bien. À vendredi.